salut les filles, comment tu vas? Écoute, c'est Thierry là. Écoute, je vais te parler de ce book c'est du lourd. Dans ce book, il y a 100 recettes, et les 100 recettes sont véganes. Ce qui fait que c'est 100% vegan. Les gens m'écrivaient, comment tu fais pour être musclé comme ça? Arrête, j'ai pas toujours été comme ça. Avant d'être vegan, j'étais bad. La seule chose qui progressait dans ma vie, c'était mon bide. Mon fuel, c'était les pommes chips. Ma cam, le lard. Il n'y avait pas de love dans mon assiette, que de la bidoche et des larmes. C'était soit je devenais phytophage, soit je bouffais les pissenlits libres à la racine. C'est alors que j'ai discover mon pote JP avec sa bouffe de rongeur. Dans ce livre, il y a des appetizers, il y a des breakfasts, il y a des bites, il y a des mains, il y a même des cookies. C'est badass. Mais attends, je suis pas maïté, moi, comment je vais faire pour faire du cooking? Eh, c'est easy d'être healthy avec JP. J'ai deux passions maintenant dans ma vie, la muscu et le cooking. Et du yoga. Mais du yoga, j'en ai jamais fait. Le vegan, c'est pas que pour les meufs, hein, c'est pour les mecs, les vrais, comme dit mon gynéco. Ça a changé ma vie, parce que par-dessus tout, j'adore les animaux. Ils veulent que vivent leur life. Tu sais que les plantes, ça fait grandir, qu'est-ce que tu penses qu'ils bouffent les girafes? T'imagines un peu si tout le monde bouffait que des plantes? Il n'y en aurait plus de problème avec la planète. À part peut-être le manque de plantes. Allez, commande ton book.